La grande glissade de l'ours. Richard T. Morris, l'EUN Femmes. La grande glissade de l'ours. Il était une fois une rivière qui coulait nuit et jour. Et qui ne savait pas qu'elle était une rivière. Jusqu'à ce que... survienne un ours. L'ours était simplement curieux. Il ne se doutait pas de quoi la rivière était capable. Ni qu'il était sur le point de vivre une aventure. Jusqu'à ce que la grenouille lui saute sur la tête. La grenouille était une rainette solitaire qui cherchait des amis et qui n'imaginait pas qu'elle pouvait en avoir plus d'un. Jusqu'à ce que les tortues entrent en scène. Elles essayèrent d'avertir l'ours et la grenouille que les choses pourraient mal tourner, ce qui les empêchèrent de profiter du voyage. Jusqu'à ce que le castor embarque. Le castor était un capitaine né. Il savait exactement où aller, mais il ne connaissait rien des méandres de la rivière jusqu'à ce que... surgissent les ratons laveurs. Les ratons laveurs s'amusaient follement, dans les virages et les tourbillons, mais ils ne savaient pas qu'il fallait être prudent. Jusqu'à ce que se pointe un canard. Le canard était ravi de la vie qu'il menait, mais il ignorait qu'il existait tout un monde à découvrir. Jusqu'à ce que l'ours se cramponne à la grenouille. La grenouille se cramponne aux tortues. Les tortues se cramponnent au castor. Le castor se cramponne au raton laveur. Les ratons laveurs se cramponnent au canard. Oh, quelle aventure! Tant d'animaux différents, vivant chacun dans leur coin, sans savoir qu'ils faisaient partie du même monde. Jusqu'à ce que... un jour, une rivière.